Salut tout le monde! Allô! Aujourd'hui, on va en excursion en forêt. Avec notre ami Marc de la chaîne Terrario. On a bien hâte de vous le présenter. Marc! Salut Marc! Bonjour Myriam, bonjour Jean-François, Allô. Bonjour à toutes et à tous. En fait, pour la petite histoire, moi je viens de tout juste de choisir de venir vivre ici au Canada. Mais en fait, donc ça fait un mois et demi que je suis là, mais en fait je vous suivais déjà bien avant, depuis la France. Ouh. Donc j'étais abonné à votre chaîne donc, et tout ça, donc pour moi c'est super. La nature du Québec, ouais. Tu connais donc déjà c'est super pour moi de pouvoir vous rencontrer, être avec vous aujourd'hui. Merci. C'est très chouette. Terrario, ça nous dit quand même un indice sur ta chaîne, mais est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Exact. Donc, en fait, dans ma chaîne, je vous parle globalement de terrariophilie, d'aquariophilie, et puis aussi un peu d'observation dans la nature, hein, comme vous faites. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est observer les animaux dans leur milieu naturel, pour ensuite recréer leur biotope en terrarium ou en aquarium. Wow. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Eh oui, c'est au Québec. Merci beaucoup de m'avoir proposé de. Enfin, c'est moi qui vous ai demandé. Merci beaucoup d'avoir accepté d'aller avec vous pour cette excursion. Partons à l'aventure. Oui, super. Très bien. Et foncé, hein? Ah non! C'est un jeune wawaron! Ah! On voit ses petits points noirs aussi sur le dos. Il est picoté noir, puis il n'y a pas de plis dorsaux latéraux comme chez les autres grenouilles. Petit wawaron. Comme une aimant appelé. Parce que... La grenouille taureau. On l'aurait mal identifié. Ouais, on passait, c'était une grenouille verte. Il y a encore un moignon de cube, si je ne me trompe pas. Pour fouiller dans les étangs, parfois l'eau est profonde, on a besoin de nos bottes, pantalons. Salopette d'eau, deux, appelez ça comme vous voulez. Bref, c'est l'outil tout désigné pour le chercheur de larves de salamandre aquatique. Une larve.
de corydale, de mégaloptère. Elle est grosse, hein? C'est Choliodes pectinicornis. Ah oui, voilà. Ah, waouh, il y a des beaux motifs. Ah, il est tombé. Il est tombé là. Oui. Oh, comme elle a sauté. La salamandre cendrée, ça, il y en a plein en forêt. Eh oui, elle saute comme une salamandre cendrée, c'est drôle. Qu'est-ce que vous avez vu, salamandre cendrée? Une petite grenouille des bois. Adulte cendrée? Ouais, adulte. Puis dans les temps, il y avait un petit wawa rond. Parce qu'on est hors des sentiers battus. Ouais. Dans les fougères. Dans les fougères. Ouais, j'en ai. Ah! Ouais, bravo. Il y a de la vie dans l'étang. Il y a une rainette. Je savais pas que ça existait ici. Puis? Un bébé rainette versicolore! Hein? Ah, pour de vrai! Il est mort une patte. Mais c'est pas moi qui lui ai enlevé. La rescue. Elle est superbe. Oh, elle est trop belle! Mais il lui manque une patte, mais tu vois, ça a déjà cicatrisé et tout, ça fait un petit moment. Waouh, c'est une plus belle rainette. Ouais, allez, je suis d'accord. C'est la seule rainette digne de ce nom au Québec. Les autres, c'est des petites rainettes brunes. En fait, la rainette versicolore. En fait, c'est la rainette de Provence. Ah, ça dans vos poches! Une main les poissons, là. Ça ressemble à une rainette verte européenne, hein? Non, c'est une petite chenille. Une petite chenille qui... Un métamorphe rainette versicolore. Elle est vraiment belle, hein? Oui. C'est des jeunes, mais nés à grosse tête. Puis Méphalès promelas, c'est son petit nom latin. Très sympa avec le liseré noir. C'est vraiment le méné, un des ménés typiques des eaux stagnantes. Et puis... Moi, j'ai pas envie de me faire piquer. Eh bien, c'est un beau coup, ça, Marc. Belle capture. Je vais mettre de l'eau. Punaise d'eau géante. Ah. Hein, juste pour dire, quand on la cherche, on la trouve pas. Puis quand on... Parce que c'est un insecte commun, mais c'est pas, on décide pas quand on le trouve. C'est dingue. On est en Thaïlande. C'est un coup de chance. Ouais. Tu sais qu'ils les mangent là-bas? Ouais. Ils les font griller. On pourrait faire ça. C'est trop dur. Hein. Fait que c'est vraiment... C'est ce que les gens qui suivent notre chaîne ont vu il y a pas longtemps. Je me suis fait piquer par cet insecte. Piqûre très douloureuse, en passant. Il y a du venin? Oui. Comme une guêpe, il disait. Même un peu plus. Ah oui, même plus. C'est parce qu'il dissout... Ah, ça dissout, c'est un prédateur, puis il dissout, il liquifie ses proies quand il les pique. Ah, ça fait qu'il était dans les puisettes. Eh ben, peut-être que la scène, c'est trop grand. Ah, oh, c'est spectaculaire, ce morceau. Ouf, là, il y a plein de choses. Il y a de la vie. Elle a lâché. Ok, parfait. C'est encore mieux. C'est pas grave, c'est plus intéressant de voir ça comme ça. Quand on compare la taille de deux insectes adultes, Bellostoma, la petite punaise d'eau, et le Lethocère, la punaise d'eau géante. Quand même une bonne différence de taille. Une petite barbotte. Mais quand c'est bébé comme ça, mais il n'y a pas de venin. Non, ils n'ont pas de venin. C'est juste que ça pique. Mais ça fait, il n'y a pas de venin. Et où là? Je vais la mettre dans ma main. Ça, là, c'est quoi? Une petite barbotte. Oh, elle est piquée. Elle m'a piqué. Ouais, ça, ouais. C'est quoi? Je pense que. Ça, c'est juste de la gelée. Ça pique, mais ça fait pas mal. Tu la vois-tu? Barbotte. Ouais.
Je pensais qu'il était stressé de sa capture et qu'il allait pas manger avant une minute d'heure. Il n'y a rien qui l'arrête. Non. Non, la punaise d'eau, là. Oh là là, quel prédateur. C'est incroyable. Donc la punaise d'eau a attrapé la petite barbotte dans notre bocal. Elle était affamée, faut croire. Hein? Ho, ho, ho! Oh. On pourrait peut-être le mettre dans le couvercle. Oui, exactement. On verra mieux. Je sais pas si. Oui, vas-y, mets-le là. Ah, trop cute! Donc, il y a encore les branchies. Oui, c'est un triton, je crois bien. Triton. D'accord. Oui. On voit bien les lignes noires sur le visage. Oui. Donc, c'est une larve de triton vert. Est-ce qu'elle a les petits points rouges? Elle doit commencer à les avoir, des petits points rouges ou pâles. Ah, il y a des petites taches pâles, mais elles sont pas... Une ligne noire entre l'œil et la narine. De chaque côté de la tête, là, il y a une ligne noire. Ça, c'est typique des larves de triton. Les ambystomes, c'est pas comme ça, c'est plus diffus. C'est plus costaud aussi, les ambystomes. Regardez un là ou deux, là. Oh, perche-soleil. Ça, c'est pas bon. Enfin, ouais. Chez nous, quand on voit ça... Comment tu l'appelles, le crapet-soleil, là? L'Epomys gibbosus, le nom latin. Ouais. Et c'est, nous, on dit perche-soleil. OK. La perche soleil. Il vient d'Amérique du Nord. Et chez nous, c'est vraiment le nuisible qui mange les autres tritons. Enfin, qu'il faut. C'est interdit de le pêcher. Si on le pêche, on doit le tuer. Ah, regarde, une ranaute! Hein? C'est une autre punaise. Elle est en forme de baguette. Ouais. C'est ça. Oh, ouais. Qui respire par l'arrière. Ou si j'en ai un autre, là. C'est intéressant, là, ici. Là, comme ils sont beaux. Un otonec, ça pique aussi. Ce que j'ai? Oui. Regarde! Oh, merde. Oh. C'est dommage que ça pique. Punaise d'eau géante, barbotte, crapet soleil, ménée à grosse tête, notonec, tétard, larve de triton, girin. Ouais. Non, mais pour faire une liste de choses spectaculaires de nos captures, il y a de la vie dans un étang? Il y a prise de vue dans l'eau. Des belles images, ça. Alors, on se dirige maintenant à l'étang numéro 3. On a vu plein de vie dans l'étang numéro 1 et surtout dans l'étang numéro 2, mais... Il y a d'autres champignons violets. Vraiment beau. Mais en passant par la forêt, on trouve plein de choses aussi. Larve de ditique, puis elle est en dehors de l'eau, regardez, elle était sous une bûche, ce qui nous laisse penser qu'elle est en pleine métamorphose. Mmh. Ah. Wow! J'ai un gros ditique! Qui vient juste de se métamorphoser. Parce que, même s'il est aquatique... Ah, on voit... Attends, non, tu brises toute l'exuvie de sa larve. Ah ouais? Ouais, il a mué. Il a fait sa dernière mue. Oh là là, il est énorme! Il vient de se métamorphoser. Puis il va retourner à l'eau. Ça, c'est un gros ditique. C'est les larves qu'on voyait tantôt, mais les larves sont dans l'eau. Ouais. Après, il sort, il se métamorphose. En milieu terrestre, puis il retourne à l'eau après. Mais les élytres sont encore un peu mous. Il est en train de durcir. On va remettre sa cachette. On termine donc notre excursion en milieu forestier au travers des étangs. On a vu plein de choses super intéressantes, dont des larves de triton. Ouais. Puis plusieurs espèces aquatiques d'insectes, on pourrait dire même presque toutes les espèces aquatiques d'insectes... nos préférées. Nos préférées, là, pas toutes les espèces, mais les principales, la punaise d'eau géante,
Renard. C'est exceptionnel, hein, la grosse punaise. Ouais. C'est incroyable d'avoir vu ça avec ses bras prédateurs. Là, hein. Ouais. Et en plus, en train d'attaquer une barbotte. Et en plus, ouais, incroyable. Puis les notonecs, la petite punaise d'eau, bref, toutes les autres, la liste serait longue. Puis en milieu terrestre, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'était la première fois de ma vie que je voyais ça, malgré toutes les fouilles que j'ai faites, c'est qu'on a vu des dytiques en métamorphose. Parce que le dytique, c'est un insecte aquatique, autant au stade larvaire qu'au stade adulte, mais entre les deux, il y a une métamorphose. Terrestre. Et elle est terrestre. Regardez une partie terrestre. Là. Ouais. Moi, j'ai fait pas mal d'élevage de coléoptères. Et c'est vrai que ils sont donc bien sûr à terre. Et donc là, ils ont gardé cette partie. La transformation, elle se fait à terre. Ouais, ouais. Hein, c'est très intéressant. Ouais. Je n'avais jamais vu. Là, on a vu des exemples. En fait, un qui était déjà transformé, fraîchement transformé, puis un qui était au stade larvaire, mais qui s'en va faire sa nymphe. Ouais. Fait que. Ouais, super. Merci, Marc, pour. Puis moi, j'ai trouvé. Ah, toi, tu repars pas bredouille! Super content parce que j'ai trouvé une superbe racine que je vais pouvoir mettre dans mes terrariums. Wow. Et voilà, en effet. Elle est très belle. Je suis super content d'avoir été avec vous. Mais merci. Moi aussi, c'était fun. La nature est généreuse. On s'en va sûrement pour la salamandre maculée au printemps. Voilà, rendez-vous au printemps pour la salamandre. Dans la période forte où la reproduction de la salamandre a lieu. Bye. Super, merci. À la prochaine. Au revoir.